marteau de la naissance. On va tout casser. Pour qui sonne le glas ce soir? Pour toi. Et pour toi. Et de Fruquet, Rock Seruki ou Starsky et Hutch, je ne sais plus. Oui, peuple de l'ESSEC, jeune, prépubère, au visage acnéique et roubain, revêtu de polo, bariolé et immonde. Mais de marque, tout de même, on est chez les Bourges ici. Alors comme ça, vous avez voulu faire les malins. Alors comme ça, vous avez voulu en croquer de l'éloquence. Vous êtes pris pour des coqs. Vous avez cru que ça suffisait d'arriver, de se lever, de regarder tout le monde. Les rares instants où, surtout toi, tu ne regardais pas tes notes. Lui, il a cru qu'il suffisait comme ça d'énoncer des mots compliqués dont personne n'a la moindre idée de la signification. L'autre, il s'est dit, moi je vais faire du bruit, je vais passer pour un fou, au moins ça les fera rigoler. Je vais pas avoir de mal à les réveiller après la prestation. Et Guillaume, c'est toi. Bravo, bravo à toi, public. Oui, parce qu'on t'avait mis en garde au début. Un peu de respect pour les candidats. Pour le jury, surtout. Ne sortez pas pendant les plébats. Bravo, les mecs. Bravo les mecs, je le tiens maintenant. Bravo les mecs, parce que c'est là qu'on voit qu'elle est sec. On vous forme à tout. Vous n'étiez pas, cependant, obligé de vous endormir. Nous venons de loin. D'un pays civilisé qui s'appelle Paris. Nous avons, à la différence de vous, de véritables travail. Non, non, des travaux. On fait pas des travaux, on n'est pas maçon. L'intervention que vous venez d'entendre était celle du finaliste de la dernière. Et quoi, on peut toujours progresser. Nous prenons sur notre temps, sur nos vies de famille, car oui, nous, on ne couche pas avec tout le monde dans les soirées dessert. C'est ce qui me concerne, parce que mon ami Thomas Heinz a gardé quelques adresses, quelques numéros. On peut faire son joli cœur dans quelques instants, mais j'en ai parlé suffisamment de temps pour qu'il puisse écrire une critique d'un charpentier. Et nous, nous avons fait l'effort d'écouter Guillaume Massé. Avec les yeux ouverts, sans regarder nos Blackberry, je pense que vous auriez pu faire pareil. Alors, quant à toi, Antoine Tétu, de la revue du même nom, ça me semble. Choquer les oreilles, choquer les yeux aussi avec cet accoutrement étrange. Dire qu'il veut que vous votiez pour lui, pour le PDE. Vous avez voté pour lui. Bravo les mecs. C'est bien cette espèce de fanatisme. Je sais pas ce que tu as pris avant de venir. J'espère qu'il t'en reste encore. J'avais envie de te dire un petit peu à la manière d'un Jean Sarkozy. J'y crois à mort.